Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour. Aujourd'hui, on va faire une séance pour les élèves de la 4e, 5e et 6e année primaire. C'est la première séance pour l'année 2023-2024. Donc, je lis le texte. Alors, suivez avec moi. Sandrine et sa maman sont dans un magasin de jouets. Sur l'étalage, elles admirent les poupées en plastique dans des poussettes, une collection de petits camions de toutes les couleurs, des dinettes et plein d'autres jouets. Je vais lire une deuxième fois. Sandrine et sa maman sont dans un magasin. Alors ici, dans un, on fait la liaison et ça devient dans un magasin de jouets. Il y a un point, donc je m'arrête. Sur l'étalage, ici il y a une virgule, donc je vais m'arrêter légèrement. Sur l'étalage, elles admirent, donc ici nous avons elles admirent, mais il y a aussi une liaison, donc je prononce elles admirent les poupées en plastique dans des poussettes, une collection de petits camions de toutes les couleurs, des dinettes et plein d'autres jouets. Tu veux dire, Mouattes? Oui. Voilà. Sandrine. Sandrine et sa maman sont dans une... Dans un. Alors ici, dans un, ça devient dans un. Ici, dans un magasin. Dans un magasin de jouets sur... sur l'étalage. L'étalage. Et elle. Elle a admire. 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 Donc ici ça devient elles admirent. Elles admirent. Oui. Les poupées. Poupées en plastique dans des poussette, une collection de petites camions. Non, petits camions. Petits camions de toutes les couleurs. Des dinettes. Et plein d'autres jouets. D'accord. Tu lis, Amr? Sandrine et sa maman sont dans un magasin. Alors ici, ça devient dans un magasin. Il y a une liaison qu'on doit respecter. Dans un magasin, continue. Dans un magasin de jouets. De jouer. De jouer sur la. L'étalage. Très bien. Ils admirent. Les poupées. En plastique dans des poussettes, une collection de petits camions de toutes les couleurs, des dinettes et plein d'autres jouets.
Alors, tu lis Mouatet? Oui. Ça. Sandrine. Sandrine et sa maman sont dans un magasin de jeux. Non, de jouets. De jouets. Sur et à sur l'étalage. L'étalage et elles admirent de les poupées en plastique dans des poussettes, une collection de petits camions de toutes les couleurs des dinettes et plein d'autres jouets. Très bien. Bon, je vais relire et en même temps, je vais essayer d'expliquer le texte. Sandrine et sa maman sont dans un magasin de jouets. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Sandrine? C'est quoi? C'est un? C'est un nom féminin. C'est un nom propre féminin. Donc, Sandrine, c'est une? C'est une fille. Alors, elle est avec qui? Sandrine, elle est avec qui? Elle est avec sa maman. Très bien. Sandrine et sa maman sont dans un magasin de jouets. Où sont-elles? Où sont Sandrine et sa maman? Où sont-elles? Où sont-elles? Elles sont dans un magasin. De quoi un magasin? De quoi? De jouets. Par exemple, donnez-moi un exemple. C'est quoi les jouets qu'on peut trouver dans un magasin de jouets? Qu'est-ce qu'on peut trouver? On peut trouver des jouets. Comme par exemple les petits camions ou bien les petites voitures, d'accord, ou bien des petites motos, d'accord. Quoi encore? Poupées. D'accord? Donc on peut trouver plein de jouets dans un magasin de jouets. D'accord. Sur l'étalage. Alors l'étalage, c'est là où on pose les jouets. Sur l'étalage, elles admirent, c'est-à-dire elles regardent. Les poupées en plastique. Vous savez c'est quoi le plastique? C'est une matière. Plastique. Ah oui, comme le stylo, il est en plastique. Dans des poussettes. Donc les poupées, elles sont dans des poussettes. Pour les pousser, on pousse les poupées qui sont dans, comme les bébés. Les bébés, on les met dans les poussettes. Une collection de petits camions, ça veut dire beaucoup de petits camions. Des camions qui sont différents, de toutes les couleurs. Donc il y a des rouges, des noirs, des roses, des verts.
Alors vous avez dit rouge, rose, vert, noir, quoi encore? Des? Comme le tableau ici, il est comment? Via la feuille. Des camions? Blanc. Ou bien bleu. D'accord? Alors il y en a de toutes les couleurs. Des dinettes. Alors les dinettes, c'est des petits jouets avec lesquels les petits enfants jouent. Il y a des verres en plastique, des petites assiettes, des légumes, des fruits. C'est ça ce qu'on appelle les dinettes. Alors, des dinettes et plein d'autres jouets. Beaucoup d'autres jouets. Dans le magasin, il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de jouets. Comme vous avez dit, il y a les voitures, les motos, il y a les animaux. Hein? Il y a beaucoup de jouets. Il y a les ballons, les balles. Hein? Beaucoup de jouets. Alors, qui veut lire maintenant? Qui veut lire? Mouatez ou Amr? Qui veut lire? Tu lis? Allez, commence. C'est Sandrine. Sandrine et sa maman. Et après, tu dois suivre, d'accord? Sandrine et sa maman de. Sont. Doucement. Dans un magasin de jeux. De jouets. Sur la. Et les athlètes. Et. Non, sur l'étalage. L'étalage. Elles admirent les poupées en plastique de dans des poussettes une collection de petits camions de toutes les couleurs, des dinettes et plein d'autres jouets. Allez, monsieur Amr. Sandrine. Et sa maman sont dans un magasin de jouets sur la l'étalage et elles admirent les poupées En plastique, dans des poussettes et couleurs. Une collection de petits camions. Ici, on dit petit camion parce que c'est masculin. On dit un camion. Pour les voitures, on dit une voiture. C'est féminin. On dit petite. Voiture, on dit un petit garçon, une petite fille. Elle continue. De toutes les couleurs, des dinettes et plein d'autres. Jouer. D'accord. Alors, il y a la première question. Qui va lire la première question? Qui est avec Sandrine. Alors, qui est avec Sandrine? Maman.
sa maman. Alors on va répondre. Sa. On commence par la majuscule, bien sûr. Sa maman. Sa maman. Qui est avec Sandrine. Sa maman. D'accord? Où sont-elles? Où sont-elles? Est-ce qu'elles sont à la maison? Non. Non, elles ne sont pas là. Elles sont à l'école? Non. Sont les... Elles sont les... dans un magasin. Dans un magasin. Quel magasin? De jeux. De jouets. Ah, on va écrire. Elles. Elles sont. Elles sont dans. Magasin. Dans un magasin de jouets. Tout est là, tout est dans le texte, n'est-ce pas? Tout est dans le texte. Regarde. Elles sont dans un magasin de jouets. Allez, tu écris. Alors, nous allons maintenant passer à la troisième question. Moitis, tu lis la question. Quel jouet ont-elles vu? Qu'est-ce qu'elles ont vu dans le magasin? Des poupées en plastique, très bien. Alors on écrit des poupées en plastique. Des poupées, parce qu'elles ont vu des poupées en plastique, n'est-ce pas? Oui, des poupées en plastique. Quoi encore? Des petits camions. De toutes les couleurs. Des petits camions. Et quoi encore? Et des dinettes. Et des dinettes. Alors, quand je termine, je mets un point. À chaque fois que je termine une phrase, je dois mettre. Alors, lis la question numéro 4. À partir de. Des mots suivants. Oui. Compose. Des phrases qui ont un sens. D'accord. Alors, quels sont ces mots? Lis les mots. A. Cartable. Fatima. Un. Très bien. Alors maintenant, les mots, ils sont mélangés. Ils ne sont pas en ordre. Il faut essayer de réfléchir, hein, pour les mettre en ordre. Alors, qu'est-ce que vous allez dire? Un Fatima. On ne peut pas dire un Fatima. Un Fatima. Réfléchis un peu avant de parler. Un cartable, un Fatima. Non, il faut réfléchir, il faut bien réfléchir. Alors, tu as trouvé? Alors, nous avons A, cartable, Fatima 1. Qu'est-ce qu'on va dire? Oui? Fatima a un cartable. Très bien. Fatima a un cartable. Donc, on va l'écrire. On commence par la majuscule. Fatima a un
Cartable. Alors, la deuxième série de mots. Tu nous dis la deuxième série de mots. Mouattez, tu lis la série de mots, la deuxième. Serre. Serre. Main. Main. La. La. Ali. Ali. Oui. De. Ali. De. De. Sœur. Ça. Allez, je vous laisse réfléchir un peu. Alors, on va commencer par Ali. Ali, oui, donc je vais écrire Ali, le verbe. La. Ali, qu'est-ce qu'il fait Ali? Il. Mon. Ali. Sœur. Non, serre. Regarde, donne-moi ta main. Sœur. Alors, approche, je serre ta main, je la serre. Ali serre la main. La main. Alors, la. Ali serre la main. La main de sa, sa la, la de sa sœur. Sœur. Ali serre la main de sa sœur. C'est-à-dire Ali tient la main de sa sœur. De sa sœur.